mer. Après l'hiver interminable, le traditionnel temps des sucres. Le temps de se mettre un peu de printemps dans la bouche. Et qu'elle est bonne, la tire à varin, hein? Derrière les sourires, l'inquiétude. Ce temps des sucres est peut-être le dernier pour la famille Varin d'Oka. Car, comme une centaine d'autres producteurs, ils sont en guerre avec ceux qui les représentent, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. On est pris en otage définitivement. La preuve, c'est ça. Vous avez entendu parler des contrevenants, des filous? Bien, c'est nous. Depuis quelques années, la Fédération a saisi des centaines de milliers de livres de sirop chez ses contrevenants. Une soixantaine de litiges entre les producteurs et la Fédération sont devant les tribunaux. Et, depuis que la sève coule, la Fédération a même installé des gardes de sécurité dans certaines cabanes de producteurs qui refusent de rentrer dans le rang. C'est le cas ici, chez les Gaudreau de Scottstown. Le fait que je me fasse saisir chaque goutte de sirop qui sort, là, je pense que c'est démesuré un peu l'affaire. Au début des années 2000, le marché du sirop s'effondre. Québec doit dépenser 40 millions de dollars pour sauver les producteurs. Pour éviter que le problème ne se reproduise, la Fédération opte en 2002, et non sans controverse, pour une mise en marché collective. On s'est fait voler notre liberté de produire puis de détailler notre produit comme on devrait faire, comme les Français font avec le vin. Depuis, les producteurs doivent livrer leur sirop à la Fédération qui l'entrepose et le vend. Ils ne peuvent, eux, en vendre qu'à certaines conditions et selon des quotas déterminés. Les producteurs doivent aussi payer un prélevé, une taxe, de 12 cents la livre. Depuis le début, cela fait grincer des dents une minorité de producteurs. C'est moi qui l'ai monté, cette patente-là. Là. Pourquoi se faire que je donnerais des redevances à quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour moi? Quand on compare le sirop d'érable au lait. Mais c'est une forme de mise en marché collective. Okay. Aujourd'hui, un émissaire de la Fédération est venu négocier avec les Gaudreau. Ils refusent depuis plus de 3 ans de payer leurs prélevés. Mais surtout, ils veulent vendre eux-mêmes leur sirop. On se bat pour le principe ici au Québec. On devrait avoir le droit de produire. La Fédération, si elle veut être présente, qu'elle le soit, mais qu'on ait le choix. Et là, on est face à des gens qui ont profité, mais vraiment profité, de l'amélioration des prix puis des volumes qu'on fait dans le sirop d'érable, mais qui ne veulent pas accepter les légères contraintes que ça pose au niveau des prélevés puis au niveau de l'organisation de la mise en marché, c'est tout. Si la cause des récalcitrants n'émeut pas le vice-président de la Fédération, c'est parce qu'ici, on est convaincu que l'agence de vente a fait de petits miracles. Il y a 15 ans, le marché du sirop au Québec, c'était peut-être 75 millions de dollars. Puis aujourd'hui, on est rendu à 300 millions. Le prix aussi a triplé. Si les producteurs vendaient leur sirop à 1 $ la livre au début des années 2000, ils en obtiennent aujourd'hui 2,75 $. Si bien qu'en 10 ans, le Québec a perdu 10 % de parts de marché au profit de ses voisins. On perd du terrain parce qu'on s'est mis des barrières. Tout le tour de nous, là, on s'est mis des barrières à dire « Nous autres, là, on est le plus grand producteur de sirop d'érable, puis on va contrôler ça. » Mais, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, ils ont dit « Ouais, ben, nous autres aussi, on est capables. » Les récalcitrants invoquent aussi le droit à la singularité du goût, car le sirop de la Fédération est le plus souvent un sirop en vrac. Pas du sirop, ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils sont dans une banque de sirop, puis qu'on mélange ça avec du sirop, avec des différents goûts. Les sirops, c'est comme un vin, ça a plusieurs goûts, c'est ça qui est intéressant, mais on peut plus avoir ça quand il est envoyé là-bas. C'est pas compliqué, là. C'est marche ou crève. Si les Varin perdent leur cause devant la Régie des marchés agricoles, ils envisagent de fermer l'entreprise familiale. Les Gaudreau, eux, sont acculés à la faillite. On n'a pas une fabrique d'héroïne, là. On fait du sirop d'érable. Prenez une pause, s'il vous plaît, faites une enquête. Regardez, est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a abus de pouvoir? Une enquête, c'est aussi ce que réclame l'Union paysanne qui défend les récalcitrants. Et le ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, nous a dit qu'il étudiait le dossier très sérieusement. Des gardiens de sécurité à la cabane, ce n'est pas exactement l'image souhaitée.